Du coup, le jeu, l'écrose, l'histoire. Alors, de ce que j'ai vu, on va incarner un flic qui va avoir une mission, qui va devoir se rendre dans une maison pour genre tapage nocturne ou une connerie comme ça. Donc, on incarne un flic voilà, qui va débarquer chez quelqu'un parce qu'il y a eu un problème. Et j'en sais pas plus. En tout cas, la musique ne fait pas du tout horreur. On dirait une musique de Final Fantasy. Alors ça y est, oh putain, c'est de la bodycam. Non, c'est de la bodycam, les creuses. Regardez, l'effet rond, l'effet caméra. Vous pouvez utiliser les interrupteurs électriques sur les murs latéraux des portes, mais il peut y avoir des problèmes. Ok, donc là... Oh putain, c'est ultra bien fait. Hein. Pourquoi il y a des voix déjà là? Ah, je peux zoomer. Ok, je peux zoomer. Ok, donc là on est dans la maison. C'est la maison de la mort là. Et on se réveille sur des chiottes. Comment ça se fait? On faisait quoi là? On se réveille ici. Comme d'habitude, on capte R. Toujours pareil. Toujours pareil. Bon. Eh ben écoutez, on va essayer de fouiller la maison. On va faire le tour des lieux. Par contre, je peux pas sortir mon flingue. Je peux pas me défendre. Ours en peluche. Je peux le prendre? Non. C'est probablement l'un des plus jeunes membres de la famille qui a dessiné cette image. Pourquoi il l'a fait? Ah! Ça commence bien. Une maison, un enfant qui crie, un fantôme. In this house, dans cette maison. Le son du jeu, ça va les creuses? Vous entendez les éclairs et tout? C'est assez fort? La porte est verrouillée, trouvez la clé. Je ne veux pas porter la poisse ou autre, mais ça sent à mort l'entité. Ouais. Je crois pas qu'on est sur un truc satanique avec des sectes. Oh putain! Non, 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 ouais. Non, c'est pas de la secte ça. C'est de l'entité ça. C'est de la saloperie d'entité ça. Oh putain. C'est de la saloperie d'entité les roses. Ok. C'est parce que t'es prime, ouais, 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 aïe, ouais, aïe. Attends, y'a des bruits de pas, là. Il vient d'y avoir des bruits de pas. Bon, faut que je trouve la clé du hall, les creuses. Faut que j'aille en bas, je crois. On y va. Bon, y'a quelqu'un, hein. Y'a quelqu'un avec moi, c'est clair. Je viens d'entendre des bruits de pas. Donc, il y a quelqu'un dans cette maison. Oh putain, il m'a fait peur. Écoutez. What the fuck? Y'a quelqu'un. C'est quoi ce jeu de ces morts là? Qui a fait ce jeu? C'est trop bien fait les bruits là. Bon, on a une poupée. On a une poupée maléfique là sur le canapé. Toi, tu bouges pas parce que tu fais peur. On peut allumer la lumière, c'est cool. Du ruban adhésif? Oh putain! Ah! Il a disparu. Non. C'est trop ce jeu là. Il est plus là. Il y a des bruits. Non, c'est trop, mais c'est quoi? C'est... Dites-moi que vous avez peur aussi, moi je suis terrifié là. Je suis terrifié par ce qui vient de se passer là. What? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Bon, on va fouiller ici. Je peux allumer les lumières? Ah, c'est cool. Une télécommande. Oh, une Game Boy. Est-ce que vous avez connu les Game Boy quand vous étiez petit?
avec les Pokémon, c'est trop bien. Je suis pas bien. Moi, je me serais déjà jeté des 80 cm de mon lit. IRL, la poupée, je l'aurais éclatée contre le mur dès que j'en aurais eu l'occasion. Quelle saloperie. Oh! Chapitre du cadavre, une âme détendue dans un corps sans vie. Quoi? Réconforter l'esprit du cadavre retrouvé dans la maison? Trouver le livre sacré? Mais il m'a pris pour un prêtre ou quoi, lui? Laisser le livre sacré sur la table de chevet du cadavre. Mais il est où le cadavre? Asseyez-vous sur la chaise à carreaux rouge dans la pièce et dites vos prières. Mais je suis flic, je suis pas prêtre! Les gars, ils m'ont pris pour un prêtre? Alors attends. Trouver le livre sacré. Laisser le livre sacré sur la table de chevet du cadavre. On sait pas où il est le cadavre. Hein. Asseyez-vous sur la chaise à carreaux et faites une prière. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les crocs, je le sens pas ce jeu. Je sais pas où il est le mort, mais il est pas loin. Dites-moi que vous l'avez vu. Dites-moi que vous l'avez vu. Dites-moi que vous avez vu. Le drap passer là. Vous l'avez vu le drap passer là? Il se barre le cadavre. Ah, il est trop flippant. Eh, hey, c'était archi bien fait là. Les animations et tout, t'as vu? On aurait dit vraiment quelqu'un qui passe devant moi comme ça sous un drap. What? C'est Conjuring. Non, mais c'est Conjuring. Le voilà. Tu crois que c'est lui le cadavre? Putain, non, c'est archi bien fait là. C'était ouf. J'ai flippé. On l'a tous vu, je pense. Ah, mais du coup, j'ose pas y aller, les crocs, vraiment. Avec ta phrase juste avant, j'étais morte. Va falloir clipper ça, les crocs. Bon! Michel! T'es mort ou t'es pas mort? Faut se décider à un moment donné. T'es mort ou t'es pas mort, hein? La porte est verrouillée. Et Crozy, il est pas mort? Ah, attendez. La cuisine. Allumez les lumières, s'il vous plaît. Waouh, j'ai pas ressenti ça. Motherfuck! On m'a dit motherfucker, là? Bon, la maison a pas l'air grande. C'est la bonne nouvelle, on va pas se perdre. Bon, alors du coup, faut tout fouiller, hein. Faut trouver le livre. Couteau. Faut qu'on trouve un livre, le livre sacré. Y a rien dans cette cuisine. Dans le frigo, peut-être, attention. Il y a du coca bien frais chacal. Bon. Rien d'anormal. Ouais, il a dit. Non, il a dit motherfucker. Il a dit motherfucker. Non, c'est pas comme Pinview Drive avec les clés et tout. Non, non. C'est plus soft. Hein. Ah, j'ai pas fouillé en haut. Peut-être y aurait-il un livre sacré par ici? Non? Il n'y a pas de livre sacré dans la cuisine. Bon. Il y a des portes qu'on peut pas ouvrir encore, c'est bizarre. Ouais, on est sur un bon level de jeu d'horreur là, je crois. Je l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, ce jeu il est terrifiant. Faudrait que je remonte à l'étage. Mais j'ai pas envie. Je vais retourner. Attendez, il y a des livres là. Et Cross, si vous voyez des livres, vous le dites, hein.
Putain, et la poupée? On en parle de la poupée qui a disparu? Donc on a une poupée vivante et un mort sous un drap blanc? C'est des malades, hein. C'est des zinzins, hein. C'est des fous. C'est ça le livre sacré? Non, je pense pas, non. Non, oh là là. Je pense qu'il faut que je retourne à l'étage. Ouais, en bas, y a rien. Il y a de bons jeux en ce moment, je trouve. Ouais, bah c'est un peu... On vit une période pour... En termes de jeux d'horreur, on vit une période... comment dire ça? On va avoir de plus en plus de jeux d'horreur ultra réalistes, en fait. Et là, on est en plein dedans. Bon, allez, je vais monter. J'ai pas le choix. Oh, putain. Je crois que le mort, il m'aime pas, les roses. Je crois que le mort, il me déteste. Putain, il s'est enfermé dans la salle de bain. Bon. Il s'est enfermé. Mais sors ton arme, putain. T'es un flic, t'as une arme. Pourquoi tu la sors pas? Bizarre ce flic. Un livre. Il y a vraiment que ça de mignon dans le jeu. La seule chose mignonne de ce jeu se trouve ici. C'est vrai, Xelfir? C'est quoi le nom? Oh, attendez, je pouvais pas aller là tout à l'heure. Attendez, je pouvais pas aller là tout à l'heure. Une chaise roulante. Oh! Le corps! On a trouvé le corps, les crocs, il est là! Il est ici. Regardez. Il est là, le corps. Bon, pas parfait. Alors, la porte est ouverte, là. Bah écoutez, on va y aller. Et il y en a un qui est toujours enfermé là dans la salle de bain, hein. Fais gaffe. Ah ouais, voilà. Il est là, le corps. Faut que je m'assoie là-dessus, c'est ça? Ouais. En fait, faut que je m'assoie là-dessus avec le livre magique. J'ai pas le livre magique encore. Docteur, oh là là. Eh, s'il bouge, putain. Regardez-moi ça. L'un des plus jeunes membres de la famille. Bon. Après cette mission, je démissionne. Faut aussi que je trouve la clé du hall. Je l'ai pas, j'ai toujours pas trouvé. Ah bah elle est là. Téléphone mobile. Elle est là, la clé. Clé du hall. Bah putain. Quand on parle du loup. Eh, hey, bouge pas toi, hein. Si tu bouges, t'es mort. Ah non, c'est le lustre qui bouge. Putain, j'entendais un bruit, je me dis c'est quoi? C'est le lustre. C'est le lustre qui a bougé. Ok, le mort est toujours mort. Tout va bien. Ah, le piano, c'est ça qui jouait tout à l'heure. On avait entendu des notes de piano. Ok, bon. On a trouvé la clé. Je jure, s'il bouge, je pète un câble. Putain. Putain. C'est quoi cette merde là? C'est la poupée? Pourquoi il y a un bruit de souris? Pourquoi il y a une souris qui a crié là? La chaise roulante va bouger, je le sens venir. Ah, il y a moyen, ouais. Un corps en vue, je répète, un corps à l'horizon.
tu bouges, t'es mort, une phrase tellement parfaite. Attendez. On rigole, mais attendez. Restez concentrés. Pourquoi il y a eu un bruit de souris? Peut-être parce que c'est la souris qui a ouvert la porte? Ce serait bizarre, non? Ok. La clé du hall, elle est où? Elle est en haut. Eh, j'ai pas joué un jeu aussi flippant depuis très longtemps, les crozins. Je vous assure. Là, j'en rajoute pas quand je dis ça. Je me sens pas bien. Ça devient trop réaliste, ces conneries, hein. Oh, il y a un fusil, là. Ok, nouvelle pièce. Alors, attendez. Un salon. Oh. T'es à la fois moche et moche. Il est où le livre? Ah! Oh, le livre! C'est sacré! C'est livre sacré, c'est important pour que les âmes des défunts reposent en paix. Ah, c'est bon! Ok, on a le livre. Oh, en plus, on l'a. Regardez, on le voit à droite. Il est dans notre main. Donc là, ce qu'on doit faire, je pense, c'est s'asseoir sur le canapé et lire la prière. Ça doit être un truc comme ça. Le nouveau jeu Backroom développé sous Unreal Engine 5 porte le nom de Level Unknown Backroom. Pour le moment, il n'est qu'en démo et sortira en mars 2024. Ah, ça me parle. Bon. Petite souris. Ouais, et. Eh, je vous jure, chaque pas est une torture. À tout moment, ça me saute à la gueule. Eh, le corps, il va plus être là. On parie? Regardez, le corps, il sera plus là. Ah si, ok, le corps est toujours là. Donc là, faut que je me pose là-dessus. Pourquoi je peux pas? J'ai le livre là, attends. Trouver le livre sacré, laisser le livre sacré. Ah, sur la table de chevet du cadavre. Ok. Elle est où la table de chevet du cadavre? C'est ça? Ah, ok, voilà. Ok. Donc voilà, et là je m'assois ici. Ok, prier. Je prie. Oh, il est pas mort! Le mort, il est pas mort! Je suis pas bien. C'est bon? La prière, elle est finie ou pas là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Trouver une arme à feu et laissez-la sur le petit meuble à côté du piano. Là. Ok. J'ai vu un fusil en haut. Il y avait un fusil sur le mur. Je sais pas si c'est ça. Il a bougé par contre. Hein. Cet animal là. Il est horrible ce jeu, les crozes. Il y avait un fusil. C'était où? C'était là, non? Non, pas du tout. Putain, il y a 4 portes, je suis perdu, quoi. C'était là, je crois. Je peux pas courir, hein. Ni sauter. Oh. Il y a des mains, là. Des grandes mains, en plus. Il a bougé, le bébé, là. Attends, what? Hein? Tous les meubles, ils ont bougé, là. T'es trop jeune pour ces conneries. C'est ça l'arme à feu, non? Non, c'est pas ça.
pas l'arrêter ça? Oh, salut. C'est moi ou la chaise elle a bougé là? Putain, mais what? Il y a deux bébés, il y en a un là et là sur le canapé? Il y a deux bébés? Et pour moi, l'arme c'est ça, non? Ça fait flipper. Il nous a fait un Evil Dead avec son incantation. J'adore l'ambiance de ce jeu. Moi j'adore et en même temps je suis pas bien. Tu peux pas mettre une tarte au bébé, tu lui en mets une, il va se calmer. J'aimerais bien lui mettre plus qu'une tarte. Hein. Bon, alors du coup, attendez, l'arme est pas là. Oh, 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 il y a encore un bébé là. Il y a plein de bébés partout. Où est-ce que je vais trouver une arme? Ah, un couteau peut-être. Attendez, attendez. Le couteau dans la cuisine, non? Un couteau, ça marche pour une arme ou pas? Parce que là, je suis en train de me dire que il y avait un couteau. Je sais plus où elle est la cuisine. Ah, elle est là. Il y avait un couteau dans la cuisine. Est-ce que c'est ça? Trouver une... Ah non, une arme à feu, putain! Une arme à feu. Il est là, le couteau. Ouais, ça marche pas. Alors ce qui est con, c'est qu'ils disent trouver une arme à feu. De 1, on en a une sur nous, on a un flingue. Et de 2, il y a un fusil à pompe, un fusil au mur à l'étage. Et les deux, on peut pas les poser, c'est bizarre. Ken Pixel, c'est un monstre hein, avec ses vidéos de backroom, ouais. Très fort. Bon, les creuses, où est-ce qu'on va trouver une arme à feu? Elle était là, cette béquille? Mais je les ai vus, Max, je crois, les dernières vidéos de Kane, je les ai vues. Hein. Quand il y a un trou dans le sol, il va dedans et il y a un centre commercial au fond. Et l'autre qui bouge pas, là. Ouais, attendez. Calme-toi. J'entends des portes qui s'ouvrent. Je tiendrai jamais jusqu'à 23h sur ce jeu. Je vous spoil, hein. Ouais, le géant, il est horrible. Hein. Mais tu sais que... Moi, je m'imaginais... dans une backroom, genre vraiment, je m'imaginais réellement me retrouver là-dedans. Mais limite, c'est crise d'angoisse instant. Hein. Imagine t'es là-dedans, tu peux plus jamais en sortir. Mais imagine la panique mentale dans laquelle tu te trouverais. Pas d'armes. Ah! What? Attendez, 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 ça s'est ouvert ici? C'est quoi cette chambre rose là?
ampoule. Attends. Oh, on a l'arme. Je peux tirer avec ? Ah non, je peux pas, dommage. Papa Alex. Oh là là. Bon, j'ai un flingue et je peux pas utiliser. Vite, on va en bas. On va poser le pistolet. Bon, le mort est toujours là. Ah ! Attends, il y a une boss là. Elle était pas là cette boss tout à l'heure ? Pourquoi il y a une boss comme ça là ? Alors, faut que je la pose ici. Et maintenant, trouver le papier avec l'acte de décès et déposez-le sur la grande table à côté du corps. Putain, un papier ? Un papier avec l'acte de... Oh putain, c'est trop bien fait. Bloque-toi ! Reste allongé, putain, ne sors pas de ce lit. Même les cadavres ont leur boss. Oh putain. Un acte de décès ? Comment je vais trouver ça, bordel ? Il fait des abdos. Ouais, il s'entraîne en fait. C'est sa petite séance de muscu. Bon, attendez. Faut que je trouve un acte de décès, les crozes. Il veut un câlin, Toshi ? Non. Arrêtez vos conneries. Hein. Moi, je donne deux câlins à aucun mort. C'est la règle. Un acte de décès. Alors... acte de décès. Il y a cette porte qui est toujours fermée. Il a soif, besoin d'un verre d'eau. Qui va niquer sa mère un peu. Oups. Un acte de décès. Mais sors ton flingue, mec, putain. Y'a pas de lumière. Ah là. Non, y'a pas de lumière dans cette chambre. Ah oui, d'accord, l'ampoule. Ah, j'aime pas ces bruits là. Logiquement, un acte de décès se trouve généralement dans un bureau, une chambre ou quelque chose dans le genre. Okay. Bon. Le mort ne bouge plus. On va retourner dans la pièce des bébés là. T'as pas un acte de décès, toi ? Ça me stresse que je puisse pas courir. Là on a déjà fait, il y avait rien, ok. La salle de bain toujours fermée. Je sais pas, le gars, le fantôme s'est enfermé dedans depuis 3 heures. Tout va bien.
Là, il y avait des tiroirs que je pouvais pas ouvrir. Ah! Ah! Oh, on l'a! On l'a, les crozes! Nous l'avons! L'acte de décès! Faut que je... Oh putain! Non, 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 non! Attends, au moment où je regarde, il passe l'autre con là! Attends, c'était le mort ou pas là? Ah putain, c'est le mort! Il est parti là-bas! Il est parti vers la. Il est plus là! Ok, faut que je passe ça où? La grande table à côté du corps, oui. Ok, c'est bon. Ramener le corps là où il se trouve? Non, mais c'est une blague! Ramène le corps là où il se trouve? Mais comment je le ramène? Je lui mets un coup de... Un coup de tête? Essayez de ne pas le rencontrer autant que possible. S'il vous voit, sa malédiction continuera. Mais s'il vous sent derrière lui, le sort disparaîtra. Suivez les sons, continuez à examiner les choses. N'ayez pas peur du paranormal. Sinon, toutes les malédictions sont avec vous. J'en peux plus de ce jeu là. Monsieur le mort, faut retourner sur votre lit, s'il vous plaît. Faut rester mort, monsieur. Faut pas se forcer à vivre. Surtout sous un drap, c'est pas pratique. Monsieur le mort. Bon, ça va être tendu là, Écrosin. Faut que je le trouve. Ma seule mission, c'est de le trouver. Oh, il est à l'étage, connard. Monsieur le mort? Sushi, tu es flic, normalement non. Demande au cadavre son papier et sa carte d'identité, sinon il risque une amende pour stationnement sur table illégale. Pas mal, pas mal. Elle était bonne. Bon, il est où ce con? Il y avait des pieds par terre, quoi? Il y avait des pieds par terre? Attends, je suis en train de fouiller toute la baraque parce que je sais pas où il est. Attends, il y avait des traces de pas à terre? Il serait peut-être temps de respecter cet acte de décès, monsieur. Il respecte rien du tout. Attendez, les crozières. Vous me dites qu'il y avait des traces de pieds? Oula, par contre, il y a du sang. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait du sang comme ça. Non, il n'y a pas de traces de yep. Wow. Hey, je veux mon coca, moi. Ok, bon, il était là. Il était là, mais il nous a vus. Cet enfoiré. Quelle angoisse. Ouais, il était dans la cuisine, Miss. S'il vous sent derrière lui, le sort disparaîtra. En fait, faut que j'arrive vers lui, lentement. De toute façon, je peux pas être plus lent. Et faut pas qu'il me voie, c'est ça? Salut Flamiao. Flamia, t'arrives à un moment où c'est très tendu. Où on est tous tendus.
comme Jaja. Il est où l'acte? Je l'ai posé sur la table. Fallait le poser sur la table, du coup je l'ai posé. Bon, il est où? J'ai tout fouillé là, non? On cherche un mort, il n'a pas payé son amende pour fraude. Ouais, pour son papier de décès, c'est exactement ça. On cherche à lui mettre un prose-balle. Mais il se cache bien, hein. Il n'a pas envie de payer. Hein. Il est très fort à cache-cache. Très très fort. Ça vous plaît le jeu ou pas, les Croses? J'aimerais bien avoir un petit avis dans le chat, là. Vous en pensez quoi? Honnêtement, hein. Genre un avis purement honnête. La salle de bain, je peux plus l'ouvrir. Bon, il est pas en haut. Hein. 20 sur 10? L'objectif, c'est de le trouver. Je sais pas, regarde. Il est trop bien, j'aime beaucoup. Oui, il est bien flippant. Ça vous plaît? Du coup, l'objectif, ben... C'est ça, quoi. Il faut ramener le corps là où il se trouve. Et pour ça, faut le trouver. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se cache. C'est un peu chiant. Aïe, 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 aïe. Ça s'est ouvert ici. Putain, c'était fermé depuis le début du jeu. Ok, il est là. Et... Oh non, c'est une cave! Mais niquez-vous, putain, j'ai pas envie. C'est une cave. Oh putain, ça, il fait trop bader, je te jure, j'en peux plus. Eh, j'en peux plus, je veux plus jamais voir un drap blanc de toute ma vie. Hein. Je vous le dis. Hein. Pourquoi j'ai peur d'un drap, putain? C'est grave. À 31 ans. Bordel. Bon, la cave, super. On voit rien du tout. Il y a des crânes. Quoi cette merde, là? Devoir. Il est où? Ouais, toujours la cave. Bon, il n'y a rien ici. Je crois qu'il faut remonter. Remontons, les Croses. Il n'y a plus rien pour nous dans cette cave. Ah! Ça, c'est pas... Non, 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 non! Il est encore en bas? J'ai cru qu'il allait monter, là. Eh, j'ai cru qu'il allait nous sauter dessus, hein. Il est où, cet enfoiré? Il est où? Ah ouais. Ok, c'est bon, je peux remonter. Il est là. Il a pu son... Monsieur, faut que je vous ramène dans votre lit. Vous... Il est où votre drap? Il est où votre drap? Il a pas l'air très causant. Je crois qu'il y a un truc dans les mains. Je crois que c'est un couteau, je sais pas. Ça m'inquiète, les Croses, ça m'inquiète. Bon, sors ton arme, putain. Pourquoi? Là, en situation de flic, t'es un keuf, tu vois ça. Tu le pointes en mode... Haut les mains, le mort. Tu vois? Je sais pas, tu dis un truc. Oh, putain! Et t'es pas beau, hein. Bon, allez, reviens dans ton lit, là. Tu me fais chier, là. Retourne dans ton pieu, bordel. Ah, il aurait un briquet dans l'une des pièces. Prends le briquet et tu trouveras un briquet brûlé l'inconnu à vert.
et va vers les morts. Tu devras te dépêcher, quand ils rentreront chez eux, vous devez être sur place et signaler à cause du décès. Quoi ? Faut que je trouve un briquet et que je brûle le mort ? Oh ! L'inconnu et va vers le mort. Monsieur le mort, je dois vous brûler maintenant. Vous avez pas voulu aller au lit. Vous avez été méchant. Maintenant, je vais te cramer, enculé. Viens ici. Fais pas le timide. Tu sais très bien que je vais gagner. Franchement, tout le stream est mythique, faut le mettre sur YouTube sans montage. Ah bon ? Le stream il est mythique là ? On est sur de la mythicité ? Bon, t'es où enculé ? Je peux pas les brûler eux là ? Depuis le début du jeu j'en ai envie. Je m'étais pas autant amusé depuis longtemps. Putain, c'est vraiment que je dois faire des lives chiants du coup. Ouais, le bruit de la télé, il est infâme, hein. Putain, il me donne des acouphènes, le bordel. À ce stade, crame la baraque. Bah ouais, mais il me faut de l'essence. Alors, attendez. Ah, Jax, t'as loupé pas mal, hein. Le jeu, il est incroyable. Vraiment, il est... niveau flip, il est mortel. Bon, il est où... Il est où, Stockard, là? Ah, là, 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 il est pas retourné à la cave, quand même. Putain, j'ai pas envie d'y retourner, là-dedans, moi. Bon, j'ai le briquet. Il doit être là-dedans, non ? Monsieur le mort ! J'arrive plus à me souvenir les pièces que j'ai fouillées ou pas fouillées. C'est très grave. Eh, c'est marrant, les objets sont restés collés au plafond, regardez. Ils se sont pas détachés. Bon, est-ce que je dois cramer un truc en particulier ? L'acte de décès, peut-être, non ? Je sais pas. Ouais, y'a qu'un côté à la cave. Je peux pas reprendre le flingue. Qu'est-ce qu'il nous reste comme option ? Ah, la salle de bain, c'est... Oh putain, elle est là. La salle de bain, elle s'est ouverte. Je vais te cramer ! Viens là, salopère ! Oh ! Oui ! Eh, fallait mourir, hein. Fallait mourir. Voilà. Allez, ça dégage. Rapport. Nom du défunt Martin. Âge 39 ans. Instrument du crime, pistolet, tueur, épouse. Cause du décès, Martin est surpris en train de tromper sa femme. Crie, Martin, crie ! T'as trompé ta femme, Martin. Vas-y, souffre. Souffre. Ok, bah écoutez, histoire, comme d'hab, 0 sur 10. Par contre, l'ambiance, le... Euh...
l'ambiance et l'atmosphère, les animations, les bruits de pas et tout, c'était vraiment du haut level, hein.